Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, programme de la journée, là je vais partir avec ma mère à Thiriette pour aller acheter les desserts du réveillon de Noël. Comme ça c'est fait, on les aura. Et puis après, en rentrant, ma mère va préparer un flan, un gâteau au flan à l'ananas. Donc je vous filmerai sa recette. Et puis après, moi il faudra que j'aille à la poste, j'ai un truc à envoyer. Et il faudra que j'aille mettre de l'essence, voilà, donc pas très intéressant, mais écoutez, au moins il y aurait une petite recette encore. Et donc voilà, je vous laisse, on y va, et je vous dis à tout à l'heure. Guys, ça y est, nous sommes rentrés, donc nous avons acheté les desserts pour le réveillon. Je ne vous les montre pas, vous les verrez le soir du réveillon. En tout cas, je pense que ça va être très bon. Et puis, ben écoutez, voilà, là je fais une petite pause café. Et puis après, je vous filme la recette du flan.
Et puis voilà, en tout cas, bah ça y est, mon collier est déposé, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et puis voilà, je me pose un peu avec mon Pablo. Je vais sortir Pablo et puis on va se poser un petit peu, on va regarder un petit peu la télé, tranquille. Et du coup, bah voilà, j'espère que la petite visite guidée du port de Golfe Juan et de Juan-les-Pins vous auront plu. Parce que c'est vrai que c'est très joli, hein. Moi le port de Golfe, je trouve ça magnifique, Juan-les-Pins aussi. Le seul problème, c'est que l'été, tu ne peux pas y mettre un pied, hein. On voit même plus le sable tellement il y a des parasols et des gens. Donc bon, c'est un peu frustrant, mais bon, écoute. En tout cas, je vous laisse tranquille pour l'instant. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard avec la recette. Donc pour vous tout de suite. Alors mes amis, c'est parti pour le gâteau au flan à l'ananas. Et c'est ma maman qui va le faire parce que c'est la recette de ma grand-mère. Alors il faut quoi comme ingrédient exactement? Alors des boudoirs. Donc des boudoirs. Un paquet, hein, il y en a 30 dedans. 1 litre de lait. Mm-hmm. Du flan aux œufs à la vanille. Alors il y a cette marque ou autre. Mm-hmm. Et des ananas en tranches. Des ananas en tranches, voilà. Ok. Avec un moule à Charlotte. Ok. Là, je suis en train de faire le caramel. Donc pour le caramel, bon bah c'est à l'œil le sucre. Hein. Parce que, ouais. Tu mets à l'œil avec un peu d'eau. Avec une cuillère à soupe d'eau. Voilà. Alors, dans le paquet, il y a du caramel, mais ce caramel-là, moi je n'aime pas. Bah oui, c'est vrai qu'il a un petit goût de... Brûlé. De brûlé, ouais. Voilà. Même ceux qu'il y a dans les yaourts et tout, je sais pas si vous êtes d'accord avec nous, mais c'est vrai qu'ils ont un petit goût de brûlé. Le caramel, il commence à caraméliser. En fait, chose que je savais pas avec, quand j'étais jeune, c'est qu'en fait, le caramel, faut pas le toucher. Ouais, faut le laisser... Ouais. Faut pas le remuer, quoi. Non, faut pas le remuer, surtout pas. Bah là, on voit, il est en train de commencer à colorer. Oui. Ça sent bon. Ça. Mmh. Et pas plus. Ouais, oui, c'est bon. Voilà. Donc, on le verse au fond du moule à Charlotte. Voilà. Ça crame. Ah bah oui, ça c'est très 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 chaud, faites attention, le caramel. Donc je vais mettre mon ananas là, je vais récupérer le jus pour pouvoir imbiber les boudoirs. Je vais prendre 6 cerises. Voilà. Maintenant, on va installer les boudoirs. Je m'installe ça comme ça. Alors, maintenant, 1 litre de lait. Voilà. On verse les 2 sachets de flan dans le lait. Voilà. Et là, on va porter à ébullition. Le flan qui va s'incruster de partout. Voilà. Voilà. Bah dis donc, c'est pile, hein. Pile. Ça fait pile poil. Pile. Bon, ça va s'imbiber, ça va redescendre. Mmh. Voilà. Et là, on le laisse refroidir. Et après, on le met au frais. Et après, on le met au réfrigérateur pendant minimum 4 heures. Minimum 4 heures ? Ouais. Oh, ça va, c'est pas très long. Voilà, par exemple, on le fait là, pour ce soir. Mmh. Parce que moi, le tiramisu, c'est 24 heures. Hein. Non, mais minimum. C'est-à-dire, si tu peux le laisser toute la nuit, c'est mieux. C'est encore mieux, ok. Ouais. Bon, bah voilà, mes amis, j'espère que cette petite recette vous aura plu. C'était le gâteau renversé au flan à l'ananas.
Bienvenue dans la minute vintage du jour et aujourd'hui je vous présente une robe très 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 sympa, très festive, ouais très festive, je la trouve très festive, très sexy, je n'en dis pas plus, je vous la montre tout de suite. Et ta-da ! Regardez-moi cette robe, elle est juste trop jolie, je l'aime trop, elle est... Waouh, elle est blanche, un tissu blanc avec un damier orange et sur toutes les parties orange, vous avez des petites pastilles comme ça qui donnent un effet vinyle, un effet laqué, verni. Enfin, c'est trop joli et je sais pas, je la trouve très festive, je la trouve funky, vintage, décalée. Elle est trop jolie. J'adore cette nuance de orange. Le orange, ça rehausse le teint. J'ai bonne mine. Vous voyez? J'aime trop. J'aime vraiment beaucoup cette robe. Et donc, il s'agit d'une robe... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le dos. Bon, le dos est tout blanc. C'est une robe de la marque Caché. Vous savez, cette marque que j'adore. Et donc, c'est parti. J'arrête de blablater et je vous la montre portée. Et tada, voici la robe portée. Non mais alors je la trouve tellement tellement funky, tellement disco. J'aime tellement les parties orange qui brillent là, c'est magnifique. J'aime trop cette robe. J'aime beaucoup trop cette robe. Elle est super sympa. Et en plus, je crois qu'on en avait parlé en live un jour. Mais devinez quoi, je l'ai payé 3 euros sur Vinted. Littéralement 3 euros. 3. Donc vraiment, ça c'est l'affaire du siècle. Elle est magnifique. Oh, j'adore cette robe. J'aime trop cette robe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bah mes amis, j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Je suis ravi de vous l'avoir présentée aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour une nouvelle pièce vintage. C'est l'heure de manger ? Ah, tu as faim, Pablo, hein. Moi, tu as faim. Oui, tu as faim. Je le sais que tu as faim. Oh. Petit trésor. Tiens, je te ferme ça. Bon appétit, mon chaton. Et ce soir, au menu, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce soir, c'est... qu'est-ce que j'ai mis déjà? Pommes, raisins et petits pois. Mais bien évidemment, on va commencer par autre chose. Hein? Pépère. Il cherche les petits bouts de noix de cajou, hein, parce que je les coupe en tout petits morceaux. Exprès. Il en a trouvé un. Hein. Moi, c'est bon, hein, t'es content, hein. Ah oui, t'es content. Bon appétit, pépère. Et puis, ben, pour moi, les amis, écoutez, ça fait pas envie. Je sais, c'est pas beau, mais c'est très bon. Gnocchi au pesto, voilà. Je m'en fais de temps en temps, c'est rapide, très bon et rapide. Surtout, rapide. Donc voilà mes amis, je vous souhaite un bon appétit avec ce repas qui ne donne pas vraiment envie, mais bon appétit quand même. Non mais regardez là, elle monte sur le meuble pour regarder Pablo manger. Mais lui ça le dérange pas. Hein. Il est vraiment pas déterminé à se stresser. Hein. On préfère manger. Pas du tout peur. Il m'a pourri le mur. Hein. Pablo, tu as pourri le mur. C'est terrible. Regarde-moi aller. Regardez-moi aller. Et lui, il en a rien à battre. Alors, petit pépère, tu as bien mangé? Oui. Tu fais la promenade? Pépère. T'es tout flou. Ah, voilà. Oh. Tu as bien mangé. Oui, j'ai des bons. Oui. Re tout le monde. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser maintenant. Je vais faire le montage du vlog. Il n'est pas très tard. J'en profite de le faire maintenant comme ça. J'essaie de le poster le plus vite possible. Et puis, de toute façon, je vais me dépêcher parce que je suis crevé. Hier soir, j'ai eu une espèce d'insomnie. J'ai pas réussi à dormir. Enfin, je me suis endormi très tard.
Et je me suis levé un peu tôt. Donc, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je suis un peu crevé, je vous cache pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et pour ma part, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Mouah.